Ça va, tout le monde? Alors, je fais ce direct en cette date du dimanche 20 juin 2021 depuis le siège, depuis ma résidence de Zérékoré, de Guinée-Conakry. Juste cette vidéo, parce que c'est une journée de taille. Aujourd'hui est la journée des fêtes des pères. Voilà. C'est une journée où on célèbre les pères. Je profite de cette vidéo pour souhaiter bonne fête des pères à tous les papas du monde entier. Que Dieu vous donne beaucoup d'argent et puis la santé. Que vous ayez la santé, tous les papas, la santé. Que Dieu vous fortifie dans tout le travail que vous êtes en train d'entreprendre et que Dieu bénisse vos projets. Ça, c'est très important. Et que Dieu multiplie, fait prospérer le travail de vos mains. Et ça, tous les papas, bonne fête des pères à tout le monde. Alors, merci pour les beaux messages que j'ai reçus. Franchement, super. Cette année-là, j'ai reçu plus de messages de bonne fête des pères par rapport à l'année dernière. Alors, moi-même, là, souvent, non oublié. C'est pour les mamans, là, on est... On est concentré sur la fête des mères, on fait des pailles, des dons aux mamans. Nous, souvent, on ne sait même pas s'il y a fait des pères. C'est les messages là. Vous m'envoyez trop de messages. Bonne fête des pères. Et c'est ça qui a permis de savoir qui avait fait des pères. Bon. En tout cas, merci pour ces merveilleux messages que j'ai reçus. Pas via WhatsApp, pas via Messenger. Franchement, ça me fait chaud au cœur de penser qu'il y a, j'en ai beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de personnes qui m'aiment quand même. Merci beaucoup. Alors, ceux qui m'aiment, Dieu vous bénisse. Ceux qui ne m'aiment pas, Dieu bénisse. Ceux qui ne m'aiment pas, l'assister à ma bénédiction. Il faut que Dieu vous donne un peu de vie. Comme ça, vous allez voir où Dieu va m'envoyer. Parce qu'il n'arrive qu'à l'homme ce que Dieu a décidé. Que vous commanditez des coups dans la tête, que vous ne voulez pas. Ce qui doit arriver à un homme, c'est Dieu qui décide. Voilà, donc soyez sereins. Tout ce que Dieu nous veut, soyez dans la justice, soyez droit et manifestez l'amour autour de nous. Ça, c'est très important. Voilà, il faut aider. Il faut aider les pauvres. Il faut aider les veuves. Il faut aider les orphelins. Il faut aider ceux qui ont vraiment besoin. Voilà. La vie, même, c'est un don de soi. Parce que Dieu, la vie qu'il nous donne là, on ne paye pas le souffle de vie. En réalité, tout ce que nous devons faire, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, par l'homme, nous devons honorer Dieu en faisant du bien à l'être humain. Faites du bien autour de vous. Voilà, faites du bien autour de vous. Et ça, c'est très important. Merci pour ces merveilleux messages de faire de paix. Nous sommes à Zérékoré. À Zérékoré, voilà. C'est pas facile, mais c'est bon. Ici, il y a de lait pur. Voilà, il y a de lait pur. Et puis bon, nous sommes en plein boulot, nous travaillons. Alors, je vous informe que très bientôt, le restaurant Figaïo va s'ouvrir. Voilà, j'ouvre un restaurant ici très bientôt, Figaïo. Nous sommes en train de travailler. Depuis 2 mois, j'ai déjà le restaurant. D'ici quelques jours, on aura l'occasion d'ouvrir ce restaurant-là. Il aura de garba, de plat calidrome, etc. Beaucoup de mets africains et tout ça, ivoiriens, guinéens. Ça serait l'un des meilleurs restaurants dans toute la sous-région. Voilà. Nous allons faire l'usine d'Akeke ici. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Mais n'oubliez pas qu'aussi on a Baruch Communication, une entreprise de communication événementielle. Mais cette fois-ci, on appelle Baruch Entreprise. Nous avons beaucoup de choses. N'est-ce pas, entreprise à plein de choses. Nous sommes dans l'agro-business. Nous sommes dans l'agro-business. Nous sommes dans beaucoup de choses à la fois. Le papier est venu du bonne fête de paix. Monsieur, il vient te dire, bon, si tu es sorti, il faut aller. Faut le tuer. C'est pas comme rentrer. Faut le tuer. Voilà. Donc, Baruch Communication et Baruch Communication, ça, c'est Abidjan. Voilà, l'entreprise qui est à Abidjan, c'est Baruch Communication, d'accord? Ici, c'est Baruch Entreprise. Nous sommes dans la production des artistes.
Nous sommes aussi dans la location des instruments de taille, dans la sono, son et lumière. Voilà, nous faisons son et lumière. Et waouh! Le bas ici. Nous sommes dans son et lumière. Voilà, son et lumière. Et si vous avez besoin des instruments de pointe, n'allez même plus à Conakry, ni à Monrovia. Tout se trouve déjà ici, à Zérékoré. Si vous voulez faire un clip vidéo, tout est à Zérékoré ici. Nous avons tout le matériel pour les clips vidéo et tout ça. Le matériel de pointe, n'est-ce pas, pour réaliser, n'est-ce pas, vos rêves. Voilà, vos rêves. Sinon, tout va bien. Aujourd'hui, c'est dimanche. Voilà, nous sommes à la maison. Merci, monsieur Sagno. Est-ce qu'ils t'ont fait bonne fête des pères? Ah, lui, ils l'ont pas fait. Est-ce qu'à la maison, ils t'ont fait? Personne ne connaît. Tous les mamans là, tout le monde. Ah, tout le monde est concentré, c'est ça. Voilà. Voilà, donc nous on est à la maison. On est en train de réfléchir à beaucoup de choses. On est en train de regarder la télé. Et ils sont en train de nous faire manger. Ça c'est l'entrée. Après ça, on va manger un plat. Et mon plat du jour aujourd'hui, c'est Gogo Saka. C'est riz couché. Quand on dit Gogo Saka, Gogo Saka. Ça, c'est le repas de Gbagbo. Il aime moins ça. Ça c'est les... Donc, le menu, c'est Gogo Saka. L'entrée, c'est l'avocat. À l'entrée. Et maintenant, sorti, on va faire de fruits. Il y a tellement de fruits ici, à Zérékoré et tout ça. Voilà. Alors, faites-moi les fruits là après. Hein. Faites-moi les fruits là. On a des bons fruits ici. Hein? Non, en fait, le cocktail, je fais ça. Hein? Faut faire cocktail de fruits. Faut faire cocktail de fruits. Tu fais ananas et tu fais mangue. Et puis tu m'envoies la banane douce. Je prends ça au dessert. Maintenant, amène-moi mon truc. Mon Gogo Saka. Le riz couché là. Non, mais faut mettre quelque chose ici. Hein. Non, non, non. Il faut mettre quelque chose pour ne pas que ça brûle. Il faut mettre un support. Oh, mais est-ce que ça là, ça va pas brûler? Ok. Ah, donc, je vous présente le Gogo Saka. Voilà. Ben, de temps en temps, il faut manger du Gogo Saka. Comme ça, ça va te faire dormir. Voilà, le Gogo Saka. Voilà. Gogo Saka. Ça dit, c'est Gogo et puis il y a Saka dedans. Voilà, dans mon menu du jour, c'est Gogo Saka. Voilà. J'ai frappé une sauce hier. Les servantes m'ont aidé. Donc c'est le siège ici. Voilà, riz couché. Voilà, aujourd'hui là, je me permets ça. Parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, je me permets de manger du Gogo Saka. Ça va être lourd. Et je vais aller dormir. Voilà. On m'a envoyé un truc, me servir. C'est tellement simple, le Gogo Saka. Comment on fait ça? C'est-à-dire, il y a un rendez-vous en bas. C'est le rendez-vous en bas qui est dangereux. Il y a un petit gratin dangereux là. Ben, voilà, il est très dangereux. Voilà. Aga, amène-moi un peu de sel. Aga, oula, ouais, elle s'est préparée. Hein. Elle est dangereuse. Alors, est-ce que Ouma s'est préparée? Ouma, c'est le préparé de Topoki. Ouais, c'est pas préparé. Il y a tout ce qu'on fait en Europe là. C'est les gens qui utilisent la cuisine. Ouais, nous on joue pas ça. Voilà, donc le rendez-vous en bas. C'est-à-dire, si vous voulez, le gratin il est en bas et vous frapponnez ça sans gêne. Hein? Voilà.
C'est trop dangereux, ouais, c'est vrai. Voilà, c'est trop dangereux. Ben, je suis désolé, mais à vous l'odeur. Hein? Voilà, prenez l'odeur. Et puis c'est comme ça. Le Gogo Saka, right? Le Gogo Saka. Ah, il est dangereux. Il est dangereux. Désolé pour le moteur. Ici, c'est groupe électrogène. Quand il y a du bruit, mais on fait comme ça. Dimanche à la maison, hier on a travaillé, on est, nous sommes allés dans deux villages, on a bossé, bossé. Demain on reprend les activités. Moi, je suis allé très tôt hier, on lui. Tu as fatigué. Ouais, tu t'es fatigué. Moi, j'ai dormi dans la voiture, tu ne voyais pas. Il faudra prendre son. On l'a fini même. Il est venu, il est dormi. Demain, on reprend le boulot. On va se concentrer sur le restaurant Figayo, le maquis Figayo. Ouais. Voilà, cette semaine-là, nous allons grouiller pour ça. Et nous allons vous ouvrir ici à Zérekoré, le meilleur garbadrome, beaucoup de choses comme ça. Hein? Il faut chercher l'argent. Hein? Il faut chercher l'argent. Quand tu finis de manger ça, puis tu vas dormir. Les gens viennent autour de toi, les gens. Et pas leur oreille, tu dis toujours à l'argent. Tu vois l'argent. Tu vois l'argent, tu es béni. Et tu es béni. Mangez ça. Tu manges dans, tu dors avec l'esprit d'argent. Voilà. Quand tu y a des nourritures, quand tu manges, les sorciers viennent t'attaquer. Ils envoient sur toi. Oh, non, là. Le Gogo Saka, ça attire beaucoup de chance. Hier, on a vu la sorte faire Tikliti. On a vu faire Tikliti en brousse là-bas. Le samedi prochain. Ouais, le samedi prochain, on va prendre la feuille. Quand on revient, déjà on fait. On pique de la graine qu'on laisse ici. Je suis revient là. Je vais vous montrer en direct. On va faire sorte Tikliti deux jours. On va faire pour samedi, on va faire pour dimanche. Dimanche. On va chercher Agouti. So, Agouti et puis la sauce. Ici, à Zérekoré, là, c'est la zone forestière. Il y a tout. Il y a plus de forêts à Gagnoua. Il y a plus de forêts ici que tout le bleu. Il y a tout ici. Donc, c'est ça. Hein? C'est ma manière de fêter, faire des pères. Hein? C'est pas une question de pizza. Non. Hamburger. Non. Gogo Saka. C'est nourri Gogo Saka. Le Gogo Saka. Voilà. Ça suffit. Ça suffit. On a fait une petite entrée. Bizarre. Une entrée bizarre parce qu'il ne faut pas trop remplir. Il faut que ça soit entrée. Voilà. Puis maintenant, le Gogo Saka vient, bouge tout. Maintenant, après, le dessert, c'est fruits. Il faut manger beaucoup de fruits. Ouais. Puis à tout à l'heure, il allait faire lancer des vitesses. Pour rien ronfler. Hein. Il allait dormir. C'est faire des pères. Voilà donc le Gogo Saka. N'oubliez pas qu'on a Barou. Je reprends encore. Nous avons des appareils de pointe. La sono de pointe, vous voulez faire une grande manifestation à Zérekoré, même dans toute la Guinée, contactez-nous. Contactez-nous, on va vous aider. Voilà, très bientôt, on ouvre un parking auto. Mais pour le moment, vous pouvez appeler parce qu'il y a un gars qui gère ça ici. Ouais. Vous pouvez appeler, il y a un gars qui peut vous gérer. Si vous avez besoin de voiture à Zérekoré, location, venez nous voir. Voilà. Si vous avez besoin de voiture à Zérekoré ici, location, venez nous voir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hein? Si vous voulez tourner clip vidéo, les plus dangereux, les clips vidéo comme on tourne aux États-Unis là. Ouais. Puissant, nous avons le logiciel ici, très puissant. Nous avons le matériel puissant ici. Donc ici, c'est le siège. Mais en même temps, c'est l'entreprise Baroque. Baroque Communication, mais Baroque Entreprise. Donc on est dans le business, des agro-business. Nous allons faire des grands champs, voilà, de piments. De tomates, d'aubergines et de manioc. Et nous allons avoir une usine, la Keke ici, que nous allons livrer ici même, ailleurs, en France. Pourquoi pas? Ouais. Voilà. Mendine, Guinée, Conakry, mais ils ne répondent pas le nom du village, tranquille. Made in Zérekoré, Guinée-Conakry. Guinée-Conakry. Made in Zérekoré, Guinée-Conakry, c'est tout. Les meilleurs vendeurs d'Akeke au monde sont les Chinois.
Demandez, tout le monde sait ça. En France, c'est les Chinois qui vendent, les Indiens qui vendent la kéké. Comme ils ont appris, ils sont allés apprendre chez nous. Ils sont les meilleurs producteurs de la kéké. Attends, moi, je n'y vois rien. Si Chinois fait la kéké, moi, il fait comment? François, tu dois te demander pourquoi. Comment? Quelqu'un qui est chez eux, venez apprendre quelque chose chez vous. Ça marche. Et allez, pour aller produire ça ailleurs. Pour aller produire ça, ils sont les meilleurs vendeurs de la kéké. C'est comme ça. Les plus grands vendeurs d'Akeke là-bas, Garba, là, c'est les Nigériens. C'est du Niger. C'est là qu'on voit le nom Garba. Et ça marche. Ouais. Notre nourriture là-même, d'autres vendent sa vie, tu as l'argent dedans. Comprenez? Cherchons l'argent. Cherchons l'argent pour aider notre destinée et pour aider les gens. Donc, je suis un bon businessman. Voilà. Pour le moment, je me tais là-dessus. Sinon, je fais beaucoup d'affaires. Je suis un homme d'affaires. Celui qui a la caméra, mais lui, il a fini avec l'affaire. Il est ici. Et puis, il appelle seulement. Tu connais? Tu ne dois pas chercher l'argent. Dieu aime ceux qui travaillent. Hein? Alors, je vous invite, mon Gogo Saka. Gogo Saka. On dit que c'est la nourriture des Gbagbo. Un bon bété, il connaît ça. Bobo Saka. Et à Bengue, on connaît ça. Bengue, Ben. Ah, elle connaît ça beaucoup. Après, on connaît ça beaucoup. Parce que c'est pas nourriture là-bas. C'est eux qui font, qui préparent pour une semaine, la nourriture pour une semaine. On met dans la congèle, on tire ça un peu. Maintenant, ça, c'est plus que Gogo Saka maintenant. Ah, c'est plus que Gogo Saka. Ah. Donc, bonne fête des pères. Nous, on a la maison. À Zérecoré, je vous encourage à venir investir en Guinée. Hein. Il n'y a pas de problème. Guinée, c'est un pays très vierge. Voilà. Mais c'est l'Afrique. Voilà. Moi, je ne vois plus Ivoirien. Je me vois comme Africain chez moi. Voilà. Ils m'ont accordé un bon accueil. Donc, je me sens chez moi. Venez, on va faire des paix. Allez. Je vous évite. Vous m'invitez, si vous voulez choisir quelque chose, si vous voulez dîner, celui qui vient en esprit ici, c'est un sorcier. Sinon, la porte est ouverte. Hein. Mmh. Venez manger. Tu finis de manger ça pendant que tu as sommeil. Ah, c'est le sommeil qui vient. Sommeil. J'ai lancé les vitesses. Gogo Saka, là, tu frappes ça bien, non? Ah. Le petit va venir te demander son crédit. Manger. Ah, dis papa, il faut rembourser ce que tu nous as pris. Hein. Il faut rembourser, il y a crédit de sommeil dans mon corps. Hein. Le Gogo Saka. Venez visiter nos sièges chez nous. On vit en famille. Ouais. Il y a Aga, qui est ma première fille. Elle est en train de préparer. C'est quoi là? C'est quoi? Mayonnaise. Ah, mayonnaise, je ne peux pas manger. Ah, oula. Avocat. Le monde me dit, il y a les peines de boîte. Comment on va sortir le soir? Non, mayonnaise, hein? Ça tue, hein? Le Gogo Saka. Je remarque que demain matin, je fais mon sport. Ramenons de l'eau. Aïe. L'eau. Non, pas juste. C'est moi qui ai éteint tout de suite. Ah, mais Roger dit que hier. Non, c'est le truc là. Non. Moi, je bois du thé. Le petit ventilo qui est derrière là. Ça s'allume pas. C'est ça qui t'allume pas. Est-ce qu'il y a réglé ça? Faut que je finisse. Faut que je vais voir d'abord. Je vais prendre le film. Tu as branché? J'ai branché ça, ça ne s'allume pas. Ça ne s'allume pas.
et tu as branché directement le congélateur. Alors, bonne fête de paix à tout le monde. Nous sommes en famille. Ici, c'est Nzéré Koré, Nzalikolé. Nzalikolé. Alors, nous sommes en famille. Je suis chez moi. Voilà, je suis chez moi. Avec mon personnel. Je vais organiser pour vous spécialement faire des paix. Parce que j'ai déjà fait pour moi. Hein. Donc, on a un rendez-vous. Je dois faire une sauce tikliti. Ma passion, c'est faire la nourriture. J'aime bien rentrer en cuisine. Ouais, Ben, bonne fête de paix. Tu connais, t'as dit demain. Demain, c'est demain. D'accord? Faut qu'on se frappe, faut qu'on se laisse demain. Les Ivoiriens aiment parler français. On va se laisser. Ben, faut qu'on se laisse demain. Et les Ivoiriens, le français, faut qu'on se laisse. On va s'attraper. Non, c'est bien, c'est recoré. Bientôt, j'arrive à Dakar. Je serai bientôt à Dakar, à Ziguinchor, à Casamas. Très bientôt. Très bientôt, je serai aussi à Niamey. Voilà, tout est prêt là. Voilà, je serai à Niamey très bientôt. Donc, je suis en train de partout au fur et à mesure. Voilà, maintenant si vous voulez voiture, location ici, dites-nous. Il y a quelqu'un pour ça, hein? On est dans nos boîtes d'ici là, on est équipé. Hein? Tout est ici, hein. Voilà. Nous on a commencé, on va faire notre champ de piment. On met 4 hectares de piment ici, on va exporter ça. Regardez seulement, je vais vous montrer comment on cherche l'argent. Comment à partir de la terre on peut avoir l'argent. Suivez-moi seulement, vous allez comprendre. Parce que Dieu a donné l'intelligence, c'est-à-dire de cultiver la terre. Ici, c'est la zone forestière, il y a la terre, plus que la Côte d'Ivoire. Et ils ont tous ces vierges. Voilà, nous sommes en train de travailler. Très bientôt, je rouvre un restaurant. Voilà, pour engager, pour ouvrir. Je veux un business ici pour donner du travail aux gens. Il faut donner du travail, il faut donner. Donc, on donne du travail aux gens. Il y a des gens qui sont informaticiens, qui n'ont pas de boulot. Aïe, tu as quel niveau? Non, à l'école, tu as fait plus combien? Bac plus, voilà, plus 3, c'est ça? Plus 3, parce que la distance est plus 3 là. Elle a bac plus 3, tu vois, nous on l'a récupéré, elle travaille ici. Voilà, c'est important. Il faut faire travailler les gens. Il y a des gens qui sont à la maison, qui sont très intelligents, mais qui sont oisifs. Papa, n'oublie pas mon pays. Non, je serai bientôt au Bénin. Oh, oh, Bénin là, j'ai sélectionné mes gars ici. Il y a un moment où nous tous, on va se retrouver. Je suis en train de dire à ceux de Côte d'Ivoire que les gens des Érecorés, les gens, mon staff là, on va aller. Ils vont voir la maison mère de Barouk. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Hein. Au Bénin, on sera là-bas. Vous, les vaudous là. Les vaudouman. Ils aiment trop fétiche, les gars là. Donc, il y a une journée de vaudou. C'est-à-dire que vous aimez s'envoler la nuit, vent, 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 vent. Vaudou man. Qu'est-ce que vous, quand vous venez en France, c'est bientôt en France. J'arrive bientôt en France, ne vous inquiétez pas. J'ai un temps où on investit. Je suis en tournée africaine. J'ai fait une tournée américaine, vous le savez. J'ai fait la plupart des États Unis d'Amérique. La plupart. J'ai fait l'Europe, là, je connais. Je connais plein de coins d'Europe. J'ai fait des tournées. Maintenant, je suis à la tournée africaine. Vous êtes forcé. Vous voulez que je rentre vite, vite. C'est quoi ça? Je suis venu au Gabon, je suis reparti. Et après, je suis venu au Mali, je suis reparti.
Bon, coronavirus est là-bas, donc j'ai eu le temps de travailler progressivement, donc j'arrive. Je serai peut-être en France, peut-être en décembre. Hein. Parce que je dois aller au Mali et je dois terminer par le Mali parce que je dois revenir au Mali. Je dois toucher le Mali. Voilà, Agia m'a fait Anana. Ouais, cette fille-là, elle a bac plus 3 à la licence. C'est elle, c'est notre secrétaire, c'est elle qui organise nos trucs ici. Voilà. De temps en temps, frappons dans la cuisine et puis c'est bon. Sauf ce monsieur-là, c'est un mangeur, il ne s'est pas préparé. C'est le seul pilote qui nous reste. Il dit, c'est piloté. Nous, on dort et puis il conduit sur moi. Si vous me voyez le jour où je dors dans la voiture, ça veut dire que le chauffeur est bon. C'est la remarque. Si je commence à dormir dans une voiture, c'est qu'il fait confiance au chauffeur. Si il fait confiance, il ne dort pas. Hein. Parce qu'en cas de truc, moi, il prend le volant. Hein, pour savoir. Vous savez, souvent quand on fait les grands, là, moi, je suis devant. On ne sait jamais. Hé, hey, mon frère. Si tu décores, moi, il prend le volant et puis on s'en va. Donc, bonne fête des pères. Que Dieu vous bénisse. Vous qui souhaitez ma mort, vous qui souhaitez que je ne sois pas bien, je sois détruit, Dieu ne permettra pas ça. Moi, je vous souhaite bonne vie, longue vie. Mais ayez longue vie, vous allez voir ce que je vais devenir. Parce qu'il n'arrive qu'un homme, ce que Dieu a décidé. Ne souhaitez jamais le malheur d'une personne. Aidez des gens. C'est pour ça que moi, je ne vais jamais être à la base de la destruction d'une vie. J'ai dit à Dieu, aussi longtemps que tu me donneras le souffle de vie, je vais aider mon prochain. Même s'il y a un morceau de pain, je vais partager ça avec les veuves, les orphelins, et puis les démunis. Voilà. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Voilà. On est ensemble. Je ne suis pas parfait, mais j'aime mon prochain. C'est ce qui est vrai. Toi qui souhaites ma mort, ou même ma destruction, ce que tu me souhaites là, je ne peux pas te dire ça. Hein. Quand tu souhaites le malheur de quelqu'un, ça va t'arriver. Moi, tout ce que je te souhaite, c'est pour que Dieu te bénisse. Voilà. Ma vie entre la main de Dieu. Et il n'arrive qu'à l'homme, je reprends, ce que Dieu décide. Et ce sens dit, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, le feu dans tes narines, et puis il faut éternuer. T'as compris? On appelle ça gougnon. Les sorciers sont les gougnons. Vous les gougnons là. De toute façon, je vous vendais, vous voulez moins gros sac, hein? On a tué Mango Gosaka. Mmh. Tu peux manger ça? On dit que c'est pour la fête des pères. Alors le monsieur il veut manger ça. C'est un père, donc il n'y a pas de souci. On lui permet de manger le Gosaka. Hein? Pour la fête des pères. Hé, hey, Aga, tu m'as pas dit bonne fête, papa. C'est dangereux, hein? Vous n'êtes pas habitué. Pour les mamans, là, on connaît tout le monde. C'est le coupé, là. C'est des mamans, là. Moi-même, là, qu'est-ce que je connais, ça? Quand c'est mon téléphone qui a dit... Moi, j'ai un amour exagéré pour l'Afrique. Même exagéré. Et je crois à l'avenir de l'Afrique. Parce que Dieu aime, nous les Africains, Dieu nous aime trop. Mm-hmm. Donc je vais contribuer à la prospérité de l'Afrique. Et c'est ma prière que Dieu m'utilise pour que chaque pays africain bénéficie de la grâce que c'est ma vie. C'est ce qui est vrai. Et comme Dieu, ce qu'il décide, il le réalise. Je suis en mission. Ceux qui ne savent pas, Guinée est un pays vierge. Nous prions Dieu pour financer les établissements ici. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas vous expliquer. Voilà. Nous avons l'ONG ici.
Nous sommes maintenant à la phase des prix des papiers. Parce que voilà, on a travaillé d'une manière illégale sur le sol guinéen. Maintenant, on va avoir des papiers comme on a fait en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai travaillé d'abord et puis j'ai lancé les papiers. C'est ce que nous sommes en train de faire pour être dans la légalité, pour aller très loin. Ça, c'est très important. Donc, nous sommes à cette phase-là. Voilà. Et très bientôt, dans quelques deux jours, vous allez voir ce qu'on a réalisé déjà. Nous allons essayer de vous parler en tant que ONG sur le sol guinéen. Voilà. Pour le moment, on n'a pas encore tous les papiers, les documents. Mais par la grâce de Dieu, on aura tous les documents. On a travaillé, on aura tous les documents. En Côte d'Ivoire, c'était pareil. J'ai travaillé et puis ben, j'ai lancé le projet. Il y a eu tous les documents. Aujourd'hui, je suis dans la fondation Joël Crasso et dans le journal officiel de l'État ivoirien. Et on a l'agrément. J'ai ça chez moi et tout le monde le sait. Ici aussi, pareil, en Guinée, ce qu'ils sont en train de faire, nous sommes à la phase administrative pour avoir les papiers, tout ça, pour vraiment travailler dans toute la Guinée. N'est-ce pas, de travailler dans toute la Guinée. Nous avons beaucoup fait déjà avec l'ONG ici, investi dans la vie des orphelins, des veuves, nous sommes investis. Dans quelques jours, vous allez voir ce que nous allons faire. Et si je décide d'être vos ennemis que le feu. Mais tu ne peux pas être mon ennemi puis venir. Celui qui est mon ennemi là, c'est Dieu qui va le frapper. Bon, le Gogo Saka, je démissionne et il y a un père qui va manger. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis africain. Tu cherches ma nationalité, je suis africain. Hein, je suis africain, oui. Tu me regardes là, je suis ma chinois. La question de la con. Je suis de quelle nationalité? Est-ce que tu vas faire ma camp d'entité? Bon, je vous laisse. On ensemble. Voilà, vous voyez. Ici, dans cette maison, il y a musulmans, il y a chrétiens, et puis on vit ensemble comme ça. Voilà. Donc, c'est l'affaire des pères. Hein? On est à la maison. Monsieur, Gogo Saka. Voilà, le voici. Il va prendre l'héritage. Le voici, c'est un père. Il va prendre l'héritage. Il va prendre l'héritage de Gogo Saka. Je vais aller manger. Hey, quand vous voulez partir, surtout, Bintou, tu n'as pas mis l'eau chaude, hein? Tu n'as pas fait hier. La nuit, je suis sorti pour prendre du café. Je n'avais pas d'eau chaude. Avant de partir à la maison, il faut tout mettre en place. Bon, les gars, je vous laisse. On est ensemble. On est ensemble. Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui souhaitent que je ne sois plus vivant. Il y a des gens qui souhaitent qu'on n'entende même plus parler de moi. C'est vous qui voyez. Mais moi, ce que je vous souhaite, c'est que Dieu vous bénisse. Si vous souhaitez un malheur pour moi, le malheur vous arrivera. Moi, je vous souhaite toutes les bénédictions possibles. Je n'ai pas de problème avec une personne. J'ai des comptes à rendre à Dieu. C'est lui qui m'a envoyé sur cette terre. Il ne m'a pas fait parfait, je suis imparfait, je ne suis pas juste, je suis pécheur comme tout le monde, mais j'aime mon prochain. Je ne peux jamais souhaiter le malheur de mon prochain. C'est pour ça que je travaille, je fais un don de soi, j'abandonne tout, mes activités, mes maisons, ma famille, j'abandonne tout pour m'occuper des gens. Au risque même de ma vie, je risque même ma vie. Je m'en vais dans les endroits où on ne peut même pas partir pour donner du sourire à ceux qui sont démunis et qu'on a besoin. D'accord? Mais Dieu ne permettra jamais que vous atteigniez vos objectifs. Que vos objectifs soient atteints. Ceux qui m'aiment, Dieu vous bénisse. Merci pour l'attention et merci pour l'amour que vous apportez chaque fois en m'écrivant, en me donnant des messages très puissants. Dieu comptera de vous bénir.
Shalom à vous. Encore, bonne fête des pères. Tous les pères du monde entier, que Dieu bénisse. Je suis en famille. Voilà, à Zérekoré, je suis chez moi. Voilà, je suis chez moi, en train de regarder la télé. Voilà. Et la Guinée, on est là pour vous rendre service. Il y a plein de choses qui nous sommes en train de régler. Voilà, plein de choses. La semaine là, nous allons ouvrir nos activités pour donner du travail aux gens ici. Au-delà de la spiritualité, il y a plein de choses dans lesquelles nous sommes pour apporter le sourire aux gens. Nous allons apporter beaucoup d'aide ici aux gens. Aux enfants démunis, aux veuves, aux personnes en difficulté que nous avons fait sortir dans les choses les plus difficiles de leur vie. Nous avons aidé des gens. Nous avons aidé des gens. Et nous continuerons d'aider. Parce que c'est ça l'amour de Dieu, c'est le partage. L'amour de Dieu, ce n'est pas juger l'individu, mais c'est de manifester l'amour à l'égard de celui même qui n'est rien. Que vous pensez qu'il est mauvais, il faut l'aider. Et on ensemble. Je vous aime, mes ennemis. Gros bisous à mes ennemis. Je vous donne un gros bisou sur le front. Parce que Dieu permettra que vous puissiez voir ce qu'il a décidé pour moi. Et qu'il arrive à l'homme ce que Dieu a décidé. Ben, je suis à Zérekoré. Voilà. Chapeau.